Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Interview sous Télévision Pacifique. Je viens d'apercevoir un député des Côtes des Fers, député Rudy Deville, ensemble avec lui, nous allons regarder quelque chose qui est d'actualité, surtout dans ce qui a rapport avec le mouvement Petro-Caribé Challenge, position lui, et surtout à l'annonce de Premier ministre pour former une commission pour aller enquêter sous question cela et ça qui passait dans le palais national également suite à manifestation qui fête le 17 octobre dernier. Merci député pour disponibilité à l'émission Interview. Merci Robinson, je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs qui ont l'émission aujourd'hui. Avant de montrer exactement la question cité yo, député des villes, c'est pas un député qui trop connu, si moi qu'a dit comme ça dans la presse, c'est pour un député faire de l'an, c'est pour un député qu'on a habitué à attendre qu'a fait des déclarations et dans un député qui réservé ou un député timide qui beaucoup qu'a ouvert qu'on lit dans le parlement. Non, c'est pas ça non, c'est un député qui gagne de position mesurée par rapport à la situation politique pays, mais c'est pas ni timide, ni, mais c'est une position mesurée, ça dépend de la situation qui fait sortir position. Mais ce n'est pas un député qui de radio, mais c'est un député qui joue le rôle parlementaire li, en séance et prend position pour le prendre en fonction de la situation qui pose. Mais fois ça, vous faites dans la radio, vous regardez dire comme ça. Hey, okay. Ou, bon, par contre, c'est passé dans les vacances là. Et parce que va gagner séance qui a fait, obligé pour la presse par rapport avec les lectures de conjoncture. Oui, parce que nous gens société à même malheureusement que la presse prend un piège à tout parce que la presse on petit gens parfois aimer buzz, y aurait même focus par exemple sur des personnalités politiques qui très émotionnelles donc qui toujours là mais gagne pour moi penser que la presse manquait faire ouverture sur deux parlementaires qui abjurent lieu convenablement. En tout cas, ici à la Pacifique, nous faisons maximum effort, nous faisons maximum effort pour mettre les projecteurs sur d'autres figures. J'ai souligné ça. Député 50e législature, qui est lui à la manière OPL, pour la circonscription Côte des Fers, comment la circonscription là? Bon, la circonscription Côte des Fers, actuellement, lit bien, mais tu as gagné pour année ça, on sécheresse. Prolongé ou qu'on est que activité commune Côte de Fer c'est plus agriculture donc avec sécheresse prolongée qui te gagne dans campagne printemps et même dans été ça fait que les récoltes de maïs d'haricots d'habitude qui te lui fait donc il pas fait donc c'est actuellement gagne la pluie cap tombé puis gagne préparation surtout pour campagne d'hiver ça veut dire campagne plantation pois noir donc nous espérons que ministère de l'Agriculture a bail accompagnement à agriculteurs pour que capable gagner une meilleure récolte d'haricots dans campagne d'hiver qui t'a supposé pas commencer. On fait un coup de pied dans le parlement encore ou son député majoritaire ça qui était comme majoritaire bien sûr ou bien de l'opposition il y a monsieur groupe 16 bon qui pas fin continuer suite après ancien premier ministre Jacques Guy Lafontaine est démissionné. Qui bon où situe-t-on dans le gouvernement? Heureusement, moi, fais partie du bloc Vérité, OPL et Alliés. Pour qui ça, heureusement? Heureusement, parce que le plus souvent, d'après l'expérience PAM, dans la Chambre des députés, la majorité n'a pas toujours senti la situation pour être capable de prévenir. Donc, c'est dans ce sens-là que je me dis. Heureusement, parce que si majorité a été prend pour la situation au début, nous n'avons pas pris la catastrophe que nous avons côté nous arrivé avec Jacques Guy Lafontaine, nous sommes capables de temps pour revenir. Le rôle de contrôle là, nous sommes capables de assurer. Qu'est-ce qu'on peut répondre avec des monde qui dit bon, et pour qui ça, mes amis, débuté yo, parce qu'il a gardé finalité là, il n'y a pas de résultat. Et dernier séance pour faire mes sessions, même bilan, pas mal. En termes de productivité, on dit qui ça y a utile pays, qui ça y a utile société. Alors, bilan, pas mal, mais tu as un bilan parce que si on prend la première session
législative là. Donc, nous avons gagné un bilan, même que législature est antérieure là. Donc, tu as gagné un bilan parce que autour de. Parce que gagner le focus là, il fait sur nombre de lois votées, mais il y a de nombre de lois qui sont rejetées, gagner de séances qui faites, gagner de lois qui retournent à l'exécutif et gagner une séance et travail en commission, contrôle gouvernement qui fait. Donc, tu as gagné un bilan, mais tu as gagné. En communication de bilan qui n'est pas fait, mais tout est parlementaire, tu as gagné un bilan de session dans ma Oui, vie. mais Alors, bilan littéralement quand même, tu maigre, limite presque mais insignifiant. bilan parlement, dépend tout de l'exécutif, là, de l'agenda législatif, mais qui te dit que nous pas tellement alimenté par le gouvernement que ça. Donc, tout autant que nous pas tellement alimenté au niveau du Parlement, donc quand même, et bilan ap mek, donc gen de lè se chèche, nan chèche parmi proposition de loi qui était là, qui était faite soit par un député, pour nous être capable de statuer sur lui. Donc l'agenda législatif, li mek, et c'est ça fait que bilan est sorti mek, donc, parce que nous pas alimenté, parce que bon gouvernement, il a supposé en fonction de programme, vision que les gagnants, donc la gagnant ou ensemble de projets de loi, propositions de loi qui est liée avec programme ni donc. Si bien comprendre, député, ils ont expliqué la situation. On dirait le Parlement, il dépend dans le travail de l'exécutif là. Est-ce que, comme élu, tout comme numéro un exécutif là, le pays de président, ne pas gagner pas de responsabilité, non, nous avons une lecture, une compréhension, nous avons des outils, société a besoin, des outils, et pays a besoin, des lois qui désuètes, des lois, pays a nécessité, que nous-mêmes nous cassons la nature sur. Oui, nous avons statué sûr, mais gagner un bail que la société n'a pas focus sur lui, c'est que l'initiative de loi qui gagne incidence, par exemple, financière, donc c'est pas au sort du Parlement, c'est de l'exécutif. Donc, Parce que même si gagne, budget, si gagne, nous si pas gagne, non, voté, non? budget, oui, nous votons Non, dans le budget. temps, le second calendrier pour Mais ça pas fait. oublier, Si à pas, la va vite, il va calendrier le faire pas dans le dernier oublier, moment. c'est Yo. l'exécutif qui gagne pour le soumettre budget. Donc, nous-mêmes, nous gagnons pour nous analyser et l'exécutif gagne pour le faire ça dans un temps qui est normal pour que la Chambre lui-même gagne le temps pour l'analyser. Mais gagner de projets de loi qui gagnent incidence financière, c'est l'exécutif qui peut soumettre. Et moi, comme député, je suis venu en proposition de loi, mais la proposition de loi que je suis venu, elle n'est pas douée ni augmenter ni diminuer les recettes de l'État. Donc, gain de grands programmes qui gagnent d'incidence financière, donc, ou bien de lois qui gagnent d'incidence financière, c'est de l'exécutif que Naptan qui peut soumettre. Dernière question pour nous, fermer parenthèse et parlement, et pour nous aller directement dans la question qui est d'actualité. Et comme député, ou jusqu'à présent, satisfait ou senti utile ou répondre avec attente et mandat, et un député du peuple et combattre toute société. Je ne peux pas dire que à 100% que je suis satisfait parce que le travail parlement, c'est un travail d'ensemble parce qu'ils sont assemblés. Donc, je pour me satisfaire en mesure de quoi côté de résultats. Mais si vous regardez l'attente de la population à un degré que je gagne satisfaction parce que je joue partition femme comme citoyen et comme parlementaire. Donc, je joue en mesure que je suis capable. Mais le corps en général pas arrivé satisfait et population en agent que nous avons fait faute de l'exécutif parce que toujours ont tendance les législatures à rentrer pour que l'exécutif fait une majorité et le fait que manquer maturité politique donc un pile parlementaire toujours aller vers l'exécutif pour aller faire j'en ai dit une majorité confortable qui pour permettre que le gouvernement marche bien, mais Guendelès les plus handicapés au lieu que lui permettre que le marché. Donc ça fait que résultat que population attend de Parlement, donc nous pas arrivé avec lui, mais quand même et en pile fois nous attend sous quantité de lois qui votaient, mais ça que nous pas ouais qui très très significatif, c'est travail commission qui et contrôle lui fait
de ministère. Donc, gagner plusieurs commissions. Ok, gagner temps là, plusieurs ça va commissions. faire. Au contraire, jeudi à Parce que là, du mixage, il y a jeudi à ministre parallèlement. finance là, supposé répondre à invitation commission finance dans la Chambre des députés. Donc, jeudi à 10h, ministre finance là, et après la Chambre des députés, il y a 4 contrôles. Ça, donc, gagner 3 à 4 ministres qui invitaient déjà, par exemple, tu as un ministère public, tu as un ministre santé qui m'a des reports pour la semaine prochaine. Donc, tu as ça, continue à faire. Et lit très significatif. Voilà, parce que nous faisons bon aller sur le Parlement et travail député à Amba dans la 54e législature-là. Et pile question, nous avons besoin de nous, et nous avons osé poser là, parce que nous avons un minimum de réponse. Petro-Caribé Challenge, député Woody, ça veut dire qui ça vaut? Petro-Caribé Challenge, ça veut dire, pile barre pour moi, même qu'on l'autre préoccupation. Préoccupation, c'est que la société a focus sur gestion l'argent Petro-Caribé, mais préoccupation PAM, c'est et scandale, corruption qu'a fait qu'on a. Ça qu'a arrivé que après et Petro-Caribé Challenge, nous rentrer dans quelques années après, nous on l'autre challenge pour nous demander côté COB, par exemple, qui dépensait dans la caravane, ou bien côté COB qui était sous tel programme dans tel ministère. Donc, moi, Bon, posons une penser question avant, Albert. en même temps que n'a fait Petro-Caribé Challenge, faut que nous focus sur corruption actuelle Bon, pour posons une question que di finalement directement. son bataille qui fait pour que n'a bataille pour ne pas dire déraciner C'est totalement ça, la Malvado. corruption, mais Est-ce c'est combattre que la corruption. une machine corruption là, regardez, c'est craser la craser, c'est route la vallée pendant la même question ça là, on a traqué corruption, on a dénoncé corruption. Certainement. Depuis la pratique montée budget, donc bon machine qui mettait en place pour que corruption li tablicole dans tout appareil et l'État. Ça veut dire que le système n'est pas inquiet par rapport avec signal zéro qui a placé. Non, si li tellement pas inquiet, pas ta capable de gagner de ordonnateur, pas ta capable de gagner de directeur, de monde qui dans l'État, qui toujours dans la corruption, qui indexé et gagner que la justice a cherché. Qui toujours bon côté, qui toujours dans le gouvernement. Mais nous avons une action qui est posée, et par les nationales en quelque sorte vidé, il y a des gens qui étaient, j'ai dit, indexés, qui étaient dans l'entourage immédiat, président, et le président mettait de côté. Est-ce que là, ce n'est pas des signaux, ou bien comment on comprend de telles Oui, décisions? c'est un signal pour moi-même, c'est de mesures qui prend qui pas suffisante parce que on dit que le président est écarté. Directeur cabinet, li, secrétaire général et palais, mais ce n'est pas de ordonnateur, mais quand même qui était indexé, qui a non cité dans gestion Petro-Caribé, mais qu'on a et d'autres proches de directeurs que non cité dans d'autres scandales actuels. Parce que pour nous, que le gouvernement voulait combattre la corruption, faut que monde qui indexé non série de scandales de corruption actuelle, faut y écarter, mais tout autant y pas écarter. Donc, si y pas écarté dans scandale actuel, on pas prend au sérieux n'importe mesure qui t'apprend pour écarter d'autres monde qui étaient dans Petro-Caribé. Parce que c'est comme si on a retiré de là et puis pour que nous voyons l'autre côté. Mais est-ce que nous avons une question à la légère tout? Et n'importe monde qui dénonce n'importe monde, qui prend la presse là, indexe n'importe monde, et puis son enquête pas faite. Parce que contrairement avec Petro-Caribéa, il y a des rapports qui sont dans le Parlement, il y a deux rapports même, et l'autre monde qui te prend des initiatives, qui baille des informations. Mais quand il y a la tort à raison, on a dit X est corrompu, Y est corrompu, sans la justice, sans la commission. Ou bien, même si la commission a la formule qui est normale là, mais pas grand preuve plus ou moins, est-ce qu'on a couru débarrasser au démon de ça? Oui, mais côté la justice, côté ULCC, côté UCREP, c'est pour ça que vous êtes là. Une fois que vous avez une alerte, il faut que vous campiez, et puis laissez ça, vous sortez le rapport qui a fait que la société a clair, mais qui te dit que l'État doit vivre en dehors de tout soupçon, qui est capable de faire citoyen ou gagner confiance. Dans même démarche confiance ça, Premier ministre PIA, Henri Seyan, il a annoncé formation en commission suite à la revendication, démonstration de force qui fait 17 octobre dernier, préparation qu'a fait pour 18 novembre. Et
ampleur que soit pour la tout quartier chaque soir qu'on y entend des gonds Petro-Bizango, Petro-Rara, Petro-Champouël, son façon pour qu'imbé question en vivant et c'est surtout des jeunes et même des mineurs ouais qui engagés là-dedans même si gagnent on qu'a dit pas fin trop comprendre c'est rythme rara c'est rythme musique là qui mène au mais en quelque sorte parole la balle message d'arrivée et dans ce sens ça ou sorti yon note, m'ap eseye ban nou lecture de yon pati la dan, se sou li nou wale baze, il y a de juj administratif et judiciaire ki son peye pou rende justice. Gade se pozisyon kle nan sa ki gen rapor avèk komisyon, vou di, ou pa nan kisyon ki konsa du tout. Oui, bon, pour qui ça, on l'autre commission? Il y a deux commissions sénatoriales qui ont déjà travaillé et gagné la justice, gagné des juges, gagné ULCC, gagné UCREF. Pour qui ça, c'est pas eux qui sont engagés. En plus, le fait que c'est l'État qui vient censé en perdre parce que l'argent que nous gagnons pour nous remettre au Venezuela, c'est dans le budget qu'il y a sorti ces taxes. Donc, oui, pour qui ça, par exemple, DGI, et c'est ça, me dit dans notre là, pas. Et porter plainte. De ça, c'est l'État qui porte plainte contre firmes et personnalités qui étaient engagées dans la gestion Petro-Caribe. Mais on l'autre commission, d'après moi, il paraît une sorte de moyen pour faire le temps passer, pour calmer Petro-Challenger, pour capable eux-mêmes, en tout temps, faire le temps passer. Simplement ça. Et c'est pour ça que moi dit dans notre là, et ma renforcée là, n'importe personnalité ou bien institution qui t'a capable d'accepter à participer dans la commission que le Premier ministre a annoncé, il faut que la population a râlé et Tikaël, Plumni, li marqué, li prennent le monde ça et institution ça pour que, puis devant, quel que soit bagaille qu'on a, joindre nos mondes et nos institutions sérieux pour ne pas jamais prendre au sérieux dans le pays. Mais est-ce qu'à travers la décision de la primature, c'est pas une parole tout le monde a dit bien bas, et puis le Premier ministre a osé dire bien fort que question justice dans le pays, on nous fait un tour de ne pas faire sa confiance, il va pas utile non rien, il pas vaut rien, on nous fait une commission ou bien on cherche une alternative. Non, mais ça, à qui sa commission va venir? En plus, donc imaginons que commission, c'est qui est-ce qui va le former? C'est la primature, donc ou gain risque pour joindre la commission. Ça, c'est deux mondes qui sont venus pour protéger, soit mon pal, même genre, dernière commission Sénat a fait li, que li sorti, il y a deux mondes qui impliqués dans la gestion du Petro-Caribé que vous pas mettez. Donc, c'est ça que fait, je veux dire, c'est la justice qui peut agir, mais c'est pour l'autre commission, Mais parce c'est que une commission. justice à débuter en Mais toute quand même, on vérité. dit que l'appareil en général gagne un problème, la fonctionnaire a un problème, mais il y a des juges qui, quand même, dans le système, gagnent de caractère que nous allons continuer à faire confiance. Donc, ce n'est pas tout juge qui, à la manière de Bélisaire, l'ancien juge, La mobilisation. ouais. Mais quand même, il y a des juges sociétés à continuer à faire yo confiance. Donc, c'est pas c'est vrai, le système est décrié, mais quand même, il y a des juges qui ont de caractère qui ont des dossiers dans la main que les sociétés n'ont pas reproché. Mais laissez-le, est-ce qu'il va fragiliser, est-ce qu'il va être déjà suspect? Et laissons le monde, on dit, bon, c'est juge X qui, bon juge, n'a pas le dossier. Alors que c'est institution, c'est la justice en soi. C'est la justice qui pour prendre en main dossier et puis pour société a été mobilisée. Mais toute commission en plus qui va le faire pour moi-même, c'est fait en perdu. Et c'est pas la commission, donc sa commission va l'éclair. Je veux dire, pour qui ça a besoin d'une commission, par exemple, pour évaluer les 25 stades de la mode, par exemple. Il y a une commune qui pas fini. Les simple, en prend, par exemple, un stade qui dans la commune Côte de Fer, dans la ville Côte de Fer qui pas fini. Li simple que institution qui l'a pour ça, aller évaluer est-ce que projet ça tout comme l'a été décaissé et puis évaluer ça que tu fait Comment là ça et c'est la pour ça. Kawaii et Non, FIFA li va on fini, li toujours un stade ou pas parce que FIFA gon j'en le dis pour stade fait oui. Et c'est presque mais que c'est 1 million par place c'est-à-dire si stade là coûte 20 millions il demande 20 millions
S'il coûtait 20 millions, c'est 20 millions de FIFA. Et là, ça gagne un peu avec Bon, ça qui n'a football, comme une yo. cote de fer, gagne Clotia, et puis tu as gagné Palacio qui était commencé fait, mais qui va finir, qui toujours Et était pour là. l'instant, Pelouza, monsieur, au jeu football, nous recevons son nom, Non, pas non? tellement exploité. C'est plus Donc, Cabri, Cabri Bœuf. qui l'a, surtout, tu as gagné Cyclone Mathieu qui était affecté, donc gagne un bord dans Clotia qui est endommagé. On nous demande la question de la justice, parce que c'est important pour nous regarder qui gens déjà stadioé, chacun des Dans son privilèges. exemple. Oui, absolument. Gagner question, pendant le même dossier, aspect judiciaire, question qui la cabinet d'instruction. Et c'est depuis quelque temps, et le tour était là. Parler de justice, là, demander qui pour prendre responsabilité. Est-ce que nous autres parlementaires, et bon côté, pas nous, nous pas essayer de garder des questions, on a que ça pour poser. Et bah, on est les ministres de justice là, viennent expliquer qui ça fait le bloquer là, pas qu'à avancer. Est-ce que nous pas garder là, en que ça, est-ce que nous pas identifier obstacle en quelque sorte? Bon, C'est que des démarches qui initiées. obstacle, c'est qui ça? C'est que n'a pas demandé compte pour de monde qui était dans la gestion Petro-Caribé, mais en pile dans eux encore dans le gouvernement. Donc, c'est ça que c'est. Moun qui t'a là pour faire dossier à marché, parfois, c'est eux qui l'a qui mettent les barrières. Étant donné que tu as gagné deux commissions déjà qui travaillent sur question Petro-Caribé, donc nous-mêmes, ça que nous avons fait, nous avons toujours demandé dans quel point qu'elle est, mais c'est engagé pour que la justice s'engage à corps et âme dans le dossier. Donc, moi, je crois que semaine prochaine, il y a un ministre de la justice là et que la commission justice de la Chambre des députés a bien pour inviter non seulement sur question, ça a qui genre justice là. En train de faire dossier à marché, mais sur dossier de l'insécurité, par exemple. Et comportement, commissaire gouvernement, Port-au-Prince, là, dans traitement dossier, ça, comment mener, Bon, comment interpréter? moi-même, pas un homme de De droit, loi? moi, c'est un parlementaire, moi, c'est agronome, mais m'a regardé l'évolution du commissaire gouvernement depuis les mêmes affaires politiques. Pour moi-même, ce système n'est pas changé. Ce n'est pas un commissaire du gouvernement qui est nommé par le président de la République, par le gouvernement, parce qu'il est plus semblé à un commissaire qui est en charge pour protéger les membres de l'État. Mais ce n'est pas un commissaire qui est en charge des dossiers de la société. Donc, c'est ça qui fait pas vraiment quoi du tout. Non, action commissaire gouvernement, les plus semblés à un bagaille pour faire le temps passer, pour faire population dormir, pour que orientation que le mouvement apprend, pour ne pas apprendre, pour le casser, mais vraiment pas quoi, parce que moi plus, ouais, action commissaire gouvernement, poser les plus. Posé pour protéger membre gouvernement depuis l'aime qu'on est commissaire gouvernement partout côté dans la juridiction que vous. Mais dernier jour, ça y est, le commissaire gouvernement pour le président, il auto-proclamé d'être le manager du dossier Petro-Caribé. Est-ce que, Marconnet, est-ce Oui, mais que. c'est même commissaire gouvernement ça qui était déclaré que il pas au courant que un dossier Petro-Caribé qui existait. Donc pour qui ça Revirement ça, Après comment. le 17 octobre, jodi a livin manager dossier. Donc, l'idée dit qu'il va exister. Donc, est-ce que entre-temps, c'est lui qui est en constituel pour que lui capable de venir manager? Donc, c'est raison en plus qui fait que moi-même, étant que député, mon gars fait politique, moi pas quoi. Moi pas quoi, mais nous sommes capables de quoi si que nous te voyons que le commissaire. Gouvernement, tu as fait suite. Par exemple, si le commissaire gouvernement dit que tu prends des mesures, par exemple, contre le propriétaire firme, qui n'a pas dit tout qui est indexé, mais il Et est bon, qui liste de flagrant. 25 et que le sénateur la tortue, il disait les transferts, ben, la primature. Eh bien, pour qui ça, ce n'est pas dossier ça. Okay? Parce que, est-ce que c'est le commissaire-là qui a le droit qu'après les anciens et premier ministre, ancien ministre, donc pour qui ça, ce n'est pas juge. Qui est responsable de ce qui fait, et puis pour qui ça, c'est après 17 octobre. Quel intérêt au monde gagner un bon dossier comme ça, lumière pas faite, selon même. Qui ça a pu-t-il dit? Quel intérêt pour un dossier comme ça arrêté
et j'ai mon regard des situations pays y a bah que mon pays a bougé j'ai fonctionné et corruption c'est une pique global qui fait pays à état ça et puis j'ai une opportunité pour saisir pour tracer un exemple et qui peut tout permettre des erreurs des corruption qui était produit dans le passé lumière faite sur yo des futurs corrupteurs tout yo tout connaît mais ça captant yo et puis un groupe monde ou bien un pouvoir un régime un système dit bon ça pas fait. Alors pour moi-même intérêt qui gagne pour que lumière parfaite sur dossier plutôt Caribéa pas oublier son groupe monde qui prend pouvoir pour que yo pérenniser tête yo pour que capable bon jouissance de ressources pays a, mais c'est pas le monde qui a fait politique qui dit que nous prenons pays a pour nous changer ça, mais c'est un groupe monde qui mettait ensemble avec un parti dans la classe économique là, donc il dit que toute ressource pays a, donc il a prend pour capable de pérenniser tête, mais c'est pas on dit que en action qu'a posé pas montrer que yo peut aller vers changement, et c'est pour ça majorité monde qui impliqué dans gestion Petro-Caribe, c'est même moun sa yo qui sous pouvoir. Et d'ailleurs, ou gen formation du gouvernement qui sont dernier cabinet séan qui sont fait. Donc c'est en pointe moun sa yo qui toujours là. Donc yo gen l'opre entre vouloir pour nous changer situation pays a avec vouloir pérenniser. Donc ou gen plus action qui aller vers la manière de pérenniser groupe ça sous pouvoir, qui fait que le dossier qui est plus ou moins important vers la gestion de la République pour pas jeune ça. En bon, en majorité quantité vraiment intéressant mon pays a demandé pour lumière faite parmi des figures politiques certainement, mais gagné monde qui était fait partie majorité silencieuse des monde qui plus ou moins désintéressé, mais qui tout simplement besoin pays qui a fonctionné, a demandé lumière, on l'autre bord des monde qui dit pas de bagarre comme ça, qui bon penser ça qu'a conduit. Moi penser que éveil citoyen ça c'est solide pour nous compter. C'est solide pour nous compter parce que ça me dit tout à l'heure là que ou gagne un groupe monde qui a cherché pérenniser sous pouvoir. Et c'est ça qui fait ou après de jour en jour n'a pas intensification des gangs armés, parce que là c'est pour répondre à pérennisation groupe ça sous pouvoir, ils sont prêts pour faire tout ça ils sont capables pour pérenniser, mais c'est pas en termes de gestion de la cité, mais c'est en termes de gagner de groupe armé qui est capable de faire pérenniser. Mais ça oublier que Haïti c'est la terre montagneuse, mais c'est une terre qui glissait les politiques là, donc des pourtant des populations campées, c'est pas la manière de en pile pays en Afrique ou bien en Amérique latine gens ça fait là, donc c'est pas la manière de Venezuela, donc population capable camper. Et moi penser que faut que capable songer que la force armée d'Haïti pas capable empêcher que Duvalier t'es Jean-Claude Duvalier t'es continuer pérenniser sous pouvoir sous l'armée. Et par exemple, Rat Pakaka qui était gagné en 2004, pas capable de permettre que Aristide te continue à pérenniser. Donc, lors gagné éveil citoyen ça qui fait, je pense que notamment sur le dossier Petro-Caribe, mais sur d'autres dossiers, ça capable de porter un changement dans la façon de diriger, dans la façon que les gens auraient payé. Merci, député, pour participation à l'émission. C'est moi-même qui vous remercie. Merci tout le monde, rendez-vous pour notre émission Interview, c'est toujours sur Télévision Pacifique.